A public hearing in the European Parliament highlighted how undocumented pregnant women and children are threatened by both legislative and practical barriers when trying to access healthcare. Members of the European Parliament from across the political spectrum joined Médecins du Monde, the Human Network, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, the European Women's Lobby, and the European Anti-Poverty Network to call on European and national decision makers to take action to protect the rights and health of these vulnerable groups. L'accès aux soins n'est pas garanti en Europe, ni dans la loi, ni dans la pratique. De nombreux pays ne garantissent pas d'accès aux soins pour les sans-papiers, je pense notamment à la Suède, à la République tchèque, à Chypre, à la Pologne, ou un accès extrêmement limité dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Grèce ou la Slovénie. Et même dans les pays qui, ces dernières années, avaient garanti un accès large aux soins, je pense notamment à l'Espagne ou à la France, des restrictions sont en train d'apparaître, et je pense notamment au débat en France autour de l'aide médicale État. Tous les États membres de l'Union européenne ont ratifié la Convention universelle des droits de l'enfant, par laquelle ces États s'engagent à assurer aux mères des soins prénataux et postnataux appropriés et à garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès aux services de santé. Pourtant, sur le terrain, nous constatons de nombreux manquements à l'accès aux soins des enfants et des femmes enceintes sans papier. Et moi, en tant que médecin, éthiquement, il m'est tout à fait impossible de refuser un accès quelconque aux soins de gens qui viennent me voir. En tout cas, ce n'est pas à moi de demander un titre de séjour. Quand je suis médecin, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour soigner. Il faudrait probablement que nous travaillions sur, une homogénéisation des politiques dans l'Union européenne. Il n'est pas normal que les politiques soient différentes d'un endroit à l'autre de l'Union, ce n'est pas possible. D'ailleurs, quelle que soit cette politique, ce n'est pas possible. Deuxièmement, refuser de faire des soignants, des régulateurs des politiques migratoires. We need a trust-building approaches. If not, we have a huge problem of cost because the people, they come to emergency services and they don't treat their illnesses in an early stage. They will be treated in a late stage with extremely high costs. And it is a long work of trust building for these people because if you offer access to healthcare today to undocumented migrants, they won't come tomorrow because if you put this in a hospital, for example, they are not sure if the state will put you out afterwards, like, for example, in Germany. Además, la ley de derechos humanos, incorporada en la ley de la Unión Europea, confirma el derecho de todas las personas, independientemente de su estado legal, a recibir tratamiento urgente y necesario. Y para los niños, además, hay el imperativo legal y moral de proporcionar el acceso tanto a la atención médica como a la atención preventiva. Pero, sin embargo, sabemos que entre la realidad y los principios normalmente hay una diferencia. Y la salud de los inmigrantes con mucha frecuencia está a riesgo. Undocumented migrant women who come to us, they come at last stage. They have no mother pass, they have never been to a doctor, and for the first time they want to see a doctor. And there is a lot to do, and you have to be fast on top of that. So we have a program for pregnant mothers. They pay about 600 euros for going to deliver. They can go to they can choose a hospital and they can go there without being denounced. And it's working. They pay these 600 euros means that they have to bring the money before birth. After birth, they can't. They are not in the project. That means who gives that money? Normally, the ones who give the money is the community. And since the African community believe growing a child needs the whole community, or to grow a child, you need the whole village. Maybe we, as a European community, we should start thinking like that. Because the child is not only a responsibility of a mother alone, but it's our future. Undocumented women and children face a triple discrimination, if I might say, because they are women or children, because they are migrants,
and because they are in a status of undocumented. Et nous avons donc à réfléchir sur une politique de régularisation et d'interroger la situation de ces personnes qui, souvent en Europe, sont dans des no man's land juridiques, c'est-à-dire à la fois non régularisables et non expulsables, et donc complètement réduites à la précarité, non seulement à la précarité, mais également au harassement, bien souvent policier. Et je crois que on ferait, bien sûr, il faut s'interroger sur l'égalité d'accès aux soins, mais il faut aussi éviter que nous construisions en Europe des politiques qui soient pathogènes, qui créent elles-mêmes des pathologies complexes pour ces personnes. A Comissão das Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial de Saúde sublinha que a falta de dinheiro, uma habitação inadequada, condições de trabalho pouco seguras e a falta de acesso aos cuidados de saúde figuram entre as determinantes sociais da saúde que constituem motivo de desigualdade entre países e dentro destes. Foi aqui referido também que a pobreza está na base das desigualdades na saúde. Aliás, muito haveria a dizer sobre isso, porque grandes economistas, muito reputados mundialmente, já têm dito que na base desta crise que nós estamos a viver estão as desigualdades, o acentuar das diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Je regrette que dans le territoire de l'Union européenne les politiques soient différentes. Idéalement, il faudrait que tous les États aient la même politique. Il s'agit d'un problème d'équité. Il ne faut faire attention à ne pas tomber dans deux écueils. L'écueil de la paranoïa qui consisterait à penser que ce sont les populations en situation régulière qui sont en train de faire faillite au système de santé, c'est absurde, c'est pas le cas. Et l'autre écueil, c'est l'angélisme, en se disant qu'il n'y a aucun problème, tout le monde, à toute la terre entière, venez vous faire soigner chez nous, c'est pas possible non plus. We all know that the pregnancy is quite a risky period in women's life, and the perinatal period is also quite difficult. And if there is no access to healthcare, it might create complications, might create long-term consequences, negative consequences. So I think it is much better for all of us if these undocumented migrants do not have a fear of turning to a doctor or asking for some kind of assistance. I think it is something which would be important for Europe and for all of us. Plus vous investissez dans la prévention, dans la possibilité d'accéder aux soins, et bien plus vous prévenez les maladies graves et les maladies onéreuses. C'est-à-dire que, au lieu de saisir trop tard des systèmes lourds et chers comme les urgences, et bien vous auriez une politique beaucoup plus sobre qui garantirait aux personnes ce qui est le droit international, le meilleur état de santé possible. Donc je crois qu'il est temps quand même de considérer que le besoin de migration, il est avéré, pour des raisons économiques et démographiques, et que donc il faut assumer dans les meilleures conditions possibles. Et ces meilleures conditions possibles, c'est la meilleure effectivité des droits des migrants, y compris l'accès à la santé. It's very important for us to shift the awareness of this topic, and we have to try in some different directives here on the European level. Really to guarantee this access to the health in the education system, because in the charter it is manifested, but in the reality we have really to improve the situation and help and to support these people with non-papers. Access to health care for children and pregnant women, regardless their administrative status, is crucial to reduce health inequalities in the European Union. It is important to eliminate existing barriers in law